2, 3, ça y est. Ah, tu retournes en poulailler le rouge là. Ouais, toi, ouais. 1, 2, 3, soleil. Ah, ah, je t'ai vu, vous avez vu tous les deux bouger. N'importe quoi. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Nuit. Jour. Ah, c'est rigolo, hein. On ferme le portail, c'est rigolo. Oh, trop marrant. Dis bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur les chaises, épisode 3, en compagnie toujours de Greg Gamer. Bonjour. C'est bien Greg Gamer en bleu. C'est le vrai épisode là ? C'est le vrai épisode, hein. Ah c'est, ouais. Là tu passes à la télé. On est aussi en compagnie de Diaglon 22. Salut. Voilà, lui il est professionnel, toutes circonstances. Bon allez hop, on se rend au champ, aujourd'hui en silage. Et normalement on aurait dû être plus, du coup comme vous pouvez voir la roll speed est rangée. Et le cas aussi, c'est triste, mais c'est pas grave. Parce qu'on a changé, alors... Newland, on l'a vendu. Newland, c'est nul. Non, je rigole. Il est pas loin. Il est là. Alors, j'ai acheté un Renault. Et on a changé. On est parti plus sur une essieu. Parce que le Renault, déjà, avec la une essieu, il va galérer sa race. Alors, avec deux, je pense que oui. Donc, le Renault, c'est celui d'X3D. Vous allez avoir le temps de le voir dans l'épisode. On a acheté quoi d'autre ? On a acheté le Godet Emily de Frabel. Je vous le présenterai au prochain épisode. Et pareil pour la Tonagram que je vous présenterai dans le prochain épisode. Pour le moment, en silon. Allez, Pierre, tu arrives avant moi. Oh, yes. Il est trop fort, il a gagné. Allez, on est parti, je démarre le Renault. Je vais passer devant, comme ça je vais ralentir tout le monde. Ça va être parfait. C'est moi ou il a enlevé ses Greki? Mais non, mais non, maintenant parce que. Non, c'est pas toi, il a vraiment. Ah non, mais en fait c'est pour vous parce que sinon ça me mettrait un gros message au milieu de l'écran. Mais non, c'est le cardan ça. Ah non, mais pareil pour la béquille. Bon. La prise de force qui fait la taille du tracteur. Par contre, est-ce qu'il fallait tourner là ? Ah non, c'est bien là. Ça va permettre de passer sous le pont. Ça, vous allez pas pouvoir passer avec la Fortuna. Si. Elle fait pas 4 mètres, heureusement. T'inquiète donc pas. Oh, là, je suis à 60. Ah, ok, en fait, c'est dans le corps de ferme que ça. Ok, ouais. Bon, après, c'est une bêta. Hein. Hâte qu'il corrige les 156 erreurs qu'il y a sur la map. Ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bon, ça sortira, ça sera cool. C'est vraiment une map que j'adore. De fumier. Attends, je le double. Non, merde, je peux pas voir là. Ouais. Mais dans la moutarde, non, oh là là. Dans la moutarde. Est-ce que c'est de la moutarde, Greg? Non, Greg, il sait pas. Greg, il s'en fout. Que ce soit de la moutarde ou pas. Il est parti sentir. Qu'est-ce qu'il est con. On est même pas. Ah, ouais, ça va, le champ est pas si loin, ça va être cool. Ça... Il va y avoir un roulement pas trop. C'est juste après le tunnel. Il est où le tunnel? Ah, il est là le tunnel. Ah non, mais on passe tranquille là. T'es sûr? Oh ouais. Oh, t'inquiète. Eh, ah ouais. Faut pas plus hein. Faut pas trop plus hein. Ouais, oh, si, mais bon, quand même, je sais pas, tout devrait passer hein. Oh, il est balèze sur cette map le maïs. Il est stylé. Le champ a l'air d'être balèze aussi à mon avis. Non, le 47 est correct là. Oui, mais il a l'air d'être plutôt en pente. Ouais, c'est ça qui est cool. Sauf quand le Renault sera plein. Mais... ça va être cool pendant un moment. Attention, bah tu fais le tour hein, puis après tu fais comme d'hab quoi. Ouais. Comme tu sais hein. C'est les Renault qui passent devant. Alors, hop. Ah merde, y'a pas de passager. C'est que dans la chrone. Bon, Diego 1-2, c'est comme vous voulez. On active que en prenant la sélection de lancileuse. Qu'est-ce que tu fais? What? Bah attends, j'arrive pas à l'activer. Mais faut avoir la sélection de lancileuse. Ah mais oui, merde. Ah là 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 là, ah là là, et ça, ah putain, et ça a 200 heures de jeu sur farming, et ça s'est pas allumé une ancileuse, ah putain. Ah, c'est chouette. Bravo. Ah le Renault il est tellement ridicule. Je sais pas s'il est vraiment à l'échelle. Par contre, elle se remplit vachement vite la benne que t'as par contre. Oh les amis, les FPS sont peut-être revenus. Enfin, on espère, et puis Greg il part par contre, il part, ouais. Voilà. On a changé les FPS contre Greg, donc on pouvait pas tout garder, on avait un choix. Ok, au revoir. Au revoir, mec. Tu nous manquais. Oh, c'est bon. Tu vas essayer de faire la lignée pour que tu sois plein. Essayez. Le rendement de cette map est juste ouf. Non, c'est la benne, je pense. Non, c'est la map. Ah, c'est la map. Ouais, c'est sûr que c'est la map. Ouais. Ah, mais il y avait le. Oui, il y a de l'engrais. Ouais, voilà, ouais, ça.
T'es pas plein là? Non, non. Ah non, t'es fou, tu peux la remplir celle-là. Là, je suis à 85. Oh. Pourcent? Ouais. Bon. Non, 85 grammes. Ouais, elle me paraît un peu pleine là. Ah, mais regarde. Vas-y. Là, elle est pleine. Merci, 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 merci. Stop. Merci. Je vous remercie. Voilà. Ah, j'ai un bout de la barre de coupe. Non, même pas. Même pas en souvenir. Non, c'est bon, elle est encore là. Ah, nickel. Elle est encore là. Le pneu arrière est encore là. Oui, c'est bon. Bon. Ça va, tant mieux. Ah, franchement, les Renault que X3D nous a sortis. Hein. Encore une fois, très propre. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec X3D, c'est qu'il fait des textures très propres. Et du coup, bah, faut être, c'est pas des grosses textures très lourdes qui ne marchent pas sur Farming. Du coup, c'est pour ça que ça marche bien. Du coup, ici, c'est où la ferme? Ah oui. Oh, c'est pas mal. Sur le Crédit Agricole, ils ont mis la carte. Ah, c'est cool. Ah, ouais, si. Ah, ouais. C'est pas mal, ils font pas ça. Ah bah en fait ils la mettent un peu partout la carte, ils l'ont mis aussi il me semble sur dans le là où on spawn. Ouais dans le bureau, dans le bureau. Ouais. Ouais ils l'ont mise. Et c'est pas mal. En fait c'est un truc de ouf c'est sur cette map. C'est qu'il y a deux communes. Villiers le Grand et Villiers le Petit, et ça c'est stylé. C'est... Ah oui, le Xarion qui est là en fait tout simplement c'est parce que. C'est parce que on essaye d'ensiler le champ 28, c'est très long, du coup on fait des streams Twitch où on essaye de l'ensiler. Enfin, après on fait plusieurs tâches parce que... Après il nous bat donc on n'arrive pas. Voilà, on essaye. Je vois pas le rapport avec ensiler mais encore on aurait battu le champ parce qu'on l'aurait moissonné, ouais mais... On l'aurait battu. Oui. Ouais, une fois qu'on aurait essayé, ben, on l'aura battu. Ouais. Putain, et par contre on a fait, ouais on a dû faire la moitié du champ. Et putain, il est long. Non, mais le champ 28. Ah oui, ok. En stream. Après, non, moi j'ai le temps de faire des allers-retours en attendant. Ah bah tu m'étonnes. Et en plus, j'ai pas pris le bon côté. Je vais pas aller forcément très vite. Oula, j'ai pas mis le gyro. Oula, je vois déjà vos commentaires arriver. Mon dieu. Greg. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il me poussait. Oh là là. Non. Il est très collant. Non. Recule et recommence. Donc, bien. Je sais pas quand il. Je crois pas qu'il ait donné de date le modeur, le mapper, quand il sortira une version plus stable. Cela au niveau FPS, c'est vraiment horrible. Bon, après. Je m'en foutais de celui-là. Après, c'est parce que il y a 5 Go de mode. Il y a 5 Go de mode sur la map aussi. Hein. Enfin, sur le serveur. Et ils sont. Il y a bien 4,5 Go qui est actif. Hein. Donc, c'est vrai. 99. C'est vrai qu'on donne pas toutes ses chances à la map. Mais quand même. Hop. Ah, c'est casse-couille quand on fait mal. Attendez, je passe. Attends, t'es plein? Oh là là. Non, 54. Non, j'ai eu peur. Ah merde, ce coup-ci. Eh, à ton avis, je sais pas combien on peut en mettre dans le silo. Elle doit éjecter sacrément l'ensileuse, hein, parce que pour me remplir en même pas un quart de tour. Eh, mais qu'est-ce que c'est fait l'ensileuse? Je sais pas, peut-être un câble. Oui, c'est la faute de l'ensileuse. Ah bah oui, je pense que oui. C'est plutôt la faute du chauffeur de l'ensileuse. Ah ouais, je pense dans le JCB, je pense. Attends, je remplis à combien pourcent avec une petite benne comme ça? 3%. Oh, ça va quand même. Ah, du coup, elle a pas continué de se rabaisser là, le mètre. Putain, mais elle prend son temps. Mais t'as le temps de venir. On va y arriver. Oui. Ah oui, Greg, il garde la benne en hauteur le temps qu'il hop. Pas que ça foute. On écrase les poules aussi, on a pas que ça foute. Par contre, le gyro il s'est éteint, le connard. Ouais, c'est parce que je suis descendu, forcément. Ça, c'est dommage. Peut-être avec le drive. Non, je sais pas. Non, je crois non plus avec le drive control quand on descendait. Le gyro il s'éteignait aussi. C'est dommage. Pour prendre les screenshots, ça serait pas mal. Hein? Oui, on fait encore un. Ok. Bon, déjà deux tours, t'auras bien entamé le champ, je pense. Oh oui. Mmh. Tu vois, il me manque, j'ai le temps de faire le tour du champ. Ouais, bah. Ouais, ma petite remorque. Bah, on n'a pas la même remorque, on n'a pas le même tracteur pour la tracter. Hein. Merde. Mais je pense que je prendrai un autre tracteur. Pour. Et on fait qu'un champ? Pour la prochaine. Non, bon, après on va continuer sur un autre champ. Parce que je pense qu'il va durer 2 minutes celui-là. Il n'est pas fait pas tout à fait la moitié là. Ouais, bah quand même, en deux bennes. Attention, je vais être plein. Moi, je pense là, ouais, je vais charger et je vais prendre la roll speed. Parce que, bon, c'est bien de faire de la route, mais. C'est bien aussi de faire de l'ensilage un peu. Bah non, au pire, tout simplement, dès que le Renault est plein, je prendrai le rôle de lancier. Tu prendras le Renault, ah, Pierre. Okay.
D'accord, d'accord. Ça j'aurais déjà bah, fait. Du coup, ça te dérange si je prends le case? Bah ouais, mais t'iras vider le Renault, puis après tu prendras le case avec la Roll Speed. Ok, ok. Ouais. Ça sera mieux, je pense. ça va, Greg, la vitesse? En fait. Oh la vache, ouais. Mais Greg, il est pas là pour perdre du temps. Et toi, tu roules la remorque. Non, mais je sais même pas comment je suis passé à côté de toi. Mais ta remorque, elle est levée? Enfin, ta benne, elle est levée? Non, c'est une lemette, c'est pas une levée. Très drôle. Et c'est une mètre tout court, de toute façon, donc c'est pas drôle dans tous les cas. Ah oui, ouais. Oh, on a peut-être pas fait la moitié. On l'a oscillé en tout cas. Un bon tiers. Tu la baisses pas, ta benne? Mais elle est baissée, hein. Ça s'appelle le multijoueur sur farming. Ah ouais, d'accord. Bienvenue. Parce que là, on dirait que t'es en train de vider dans le champ. Ah ouais? Putain, ouais, il y a tellement de bugs. Mais bon, ça sera corrigé, j'ai pas envie de cracher sur une map parce que franchement, ça faisait longtemps que je prenais pas un plaisir aussi ouf à jouer à farming que sur cette map. C'est comme Belgique, comme on disait la dernière fois, c'est comme sur Belgique profonde, hein, sur FS13. D'ailleurs, je sais même pas si... Non, je crois que sur la version 2015 de Belgique, le lay disparaît tout seul. Et ça, c'est dommage. C'était marrant de devoir l'amener, etc. Hop, un petit coup sur la haie. Mais à mon avis, le Renault, il doit pas être à taille réelle. Hein. Il me paraît un peu joué. Hein. Oh non. Là, j'ai pas besoin d'appuyer sur l'accélérateur. Bah, je reviens, je vais me chercher un café. Il glisse tout seul. C'est toujours là, ouais, 10, je crois. Non, c'est 10, il me semble. Un pierre. De quoi? Lancer deux, c'est 10? Ouais, c'est 10, ouais. Hop. Ah ouais, putain, l'impression elle est pratiquement pleine alors que là je suis qu'à 60%. En fait, à mon avis, ouais, c'est les derniers pourcents qui sont. C'est un peu plus long à monter. Ouais, ouais. Ça, je suis qu'à 65%. Pas grand chose. Greg va déjà être de retour, non? Je pars. Ah ouais, là tu pars de la ferme, ouais. Mais toi à côté de moi? Ouais, non, mais c'est bon, t'inquiète, je prends tout le temps. Ah, de façon à ce que. Ouais, voilà. À ce que. Pas plus réaliste. Bah. Ouais, ça dépend. Le joystick pour la vitesse. Le levier de vitesse sur non, le là, JCB, il ressemble à ton joystick pour la fourche, toi. Joystick pour le JCB. Bah, attends, je te le ramène au critère. Ah, ouais, bah, je suis bête. Ouais, non, parce que Greg est pas encore là. Ouais, bah. Ou au pire, on fera la. Bah, non, vas-y. Mais carrément. Hop. Vite. Voilà. Ah, je m'arrête pas. Ah non, pas le temps. Oh putain, je croyais que tu l'avais éteinte. Ah c'est bon. J'ai rien touché, moi. Putain, elle démarre vite, la Jaguar, mon gars. Ah ouais, du coup, j'ai testé la 970. Il me semble, Pierre, que c'était ça que t'avais pris dans ta vidéo, une 970, non? Ouais, je crois. En fait, je vais te remarquer, mais c'est un volant chrome qu'il y a dessus. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ah non, ouais, je vais repartir comme ça. Oui, c'est un volant chrome. Il peut faire son demi-tour avant, celui-ci. Hop, au lieu de nous emmerder. Ouais, c'est un volant chrome, du coup, bah ça fait un peu bidon. Et puis en plus, non, elle est pas terrible. C'est on dirait un peu la chrome reskinée. Les couleurs sont plus belles, mais c'est tout en fait. Enfin, quoique. Celle-là, je trouve, je pense que c'est le mode classe qui a les couleurs classe les plus respectées. Le Xerion, il est vert, mais genre bien pétant. Pareil pour les Arion et tout. Mais bon, c'est pas plus mal, mais. C'est quand même. Ouais, c'est plus réaliste. Ah, il salit aussi le JCB. En fait, j'ai même pas eu trop l'occasion de jouer avec. Ah, il salit bien en plus. Sympa. Sympa, putain, ouais, la Fortuna, elle a de la capacité. Je sais pas, c'est une combien quand elle est pleine? Je sais pas, 33. 33, ouais. Bon, ça va. Non, c'est dommage qu'on puisse pas enlever les riddles. Moi, c'est une. Bon, y'a pas de riddles là en fait. Ouais, si, quoique. Et... Ouais, si, ouais, c'est dommage. Elle a dû être transférée du 13 à l'arrache. Non, je sais pas. Hop. Ah, ce sali aussi. Ah, franchement, ça, c'est des modes, j'en profitais pour en mettre sur. Ah, j'ai même pas cassé le JCB parce qu'en fait, on jouait jamais avec la Fortuna. On l'avait tout le temps sous la main, mais au cas où, on sait pas trop pourquoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Et finalement, ouais, pour en revenir à l'épisode 1, où je vous avais dit qu'il continuerait pas. Si, en fait, il est en projet de bien rajouter les veaux, les cochons, etc. C'était sur le coup, en fait, le mappeur était énervé, du coup, il voulait pas continuer la map, mais finalement, si, il va la continuer. Enfin, ça, c'est des informations que j'ai eues d'un streamer, donc... Un petit streamer farming, donc on verra. On verra. J'espère qu'il va la continuer, parce que franchement, là, il y a du potentiel. Il y a un putain de potentiel. Mais bon. Et tu t'en sors avec ton Renault, toi? Ah, t'es en train d'atteler le case, là, j'imagine. Attends, je serai vidé, là. Ok. Là, c'est vrai qu'il est long. Tu vas mettre le case sur la mètre. Non. Non. Ça sera encore plus, ça serait trop con. Il serait trop chiant à faire ça. Non, je vais partir vers la droite.
Non, il va prendre la roll speed. Oh, Lucas va pas galérer avec la roll speed. Oh non. Y'a pas de raison. Ok, avec Greg, je vais terminer le champ presque. Non, non. T'as combien de pourcents là? 60. Ah ouais? Oh putain, ouais. La mètre, quand t'es à 60, elle est à ras-bord. Y'a toujours de la place. Y'a un mec qui vient de passer avec sa pelle. Oh, ça va encore là. Nickel. Ouais, après, je sais pas quel champ. On va partir sur quel champ. Y'a un autre petit champ. Attends, je. Bah, tu peux regarder, ouais, Greg, sur la carte. Le 28. Le 28. C'est celui qui est en bas, le 28? Oui. Ta gueule. Quel connard. Le 28, c'est le plus grand. Enfin, quoique, le 17, je serais pas trop fier de le faire non plus. Je crois qu'il est en betterave. Merde. Nous qui adorons les betteraves, avec les repas. Ah ouais. Hein. Petit souvenir de Belgique profonde, où on a kiffé les betteraves. Ah merde. Je me trompe de... Bon, Greg, tu vas y arriver, là. Greg va y arriver. Greg voilà. joue à farming depuis le 2011, mais c'est toujours pas comment allumer un tracteur. Il y avait pas le mode là sur le 2011. C'est tu pour les vitesses là, pour le régulateur. Non, si. Mets-toi d'accord. Ah quoi si. Que, on va tout mettre dans ta benne limite. Hein. Ouais non. Non. Et il la remplisse pas haut. Enfin je sais pas. Peut-être elle va grandir d'un coup, mais. Bon. T'as un poussé de croissance. Ouais non. Oh, il y a encore de la place pour mettre 30% là. Au moins. Ah ouais non en fait. Top, je suis plein. Hein? Putain, c'est des enculés. On a encore la place vachement pour mettre à l'avant et à l'arrière. Bien chiant à chaque fois parce que tout passe pas du premier coup. Ouais. On va mettre un deuxième coup puis ça sera bon, j'espère. On fait quel champ? Bon, je pense que ça va être bon là déjà. Oh non. Greg il veut enciler jusqu'à 3h du matin. Non parce que... Ouais. Greg il voulait terminer le 28, il voulait faire le 39 aussi. Puis... Après il voulait passer au sorgho. Ah bah oui. Terminer avec un petit peu d'ensilage d'herbe. Et hop, on ramène le matériel. Viens par là, on s'en va, c'est plus court. D'accord. Non mais j'allais pas faire le tour non plus. Je croyais. Oh t'inquiète pas. Hop, on va faire un peu de vue intérieur, j'en ai même pas fait dans l'ensileuse pour le moment, on prend pas des masses. Hop. Puis t'as Greg. J'attends que vous me suiviez. Ah oui, ouais. Regardez comment Greg il est fort. Waouh, regardez, il roule bien à gauche. Bâtard, il me suit. Non, si elle va jusqu'à 43. C'est parce que t'es pas plein. Je sais pas, moi le. À plein, je te. Bug. Ah oui, ouais. Moi, il bug pas trop. Mais à part Windows, c'est Windows qui bug quand j'appuie sur Alt. Je sais pas pourquoi. J'ai pas l'explication, mais. C'est comme ça. T'es sûr que c'est plus rapide? Ah oui, la ferme, elle est juste là. Putain, ils auraient pas pu faire un chemin. Hop, jusqu'à la ferme. Au lieu de faire tout le grand tour, là, passer dans le bourg et tout. Enfin, tu me traces un peu quand même, hein.
Un peu beaucoup. Tac. Oui, un peu beaucoup quand même. Hop, j'espère que la vidéo va pas trop laguer, parce que c'est vrai que pouf, on va avoir des FPS sur ce. Je vais même enlever les. Ouais, enlever vos gyros. En fait, c'est une très mauvaise idée. Ça va beaucoup mieux en fait depuis que je les ai enlevés, putain. En fait, regardez, je vais regarder mes pieds. Voilà, wow, fluidité 60. Je vais regarder la ferme. Puis voilà, wow, 40-50. Tout était calculé, t'inquiète. Donc c'est quand même dommage. Surtout que j'ai pas une petite config, hein. Je pense que beaucoup de vous le savent. C'est oh, la mienne est mieux quand même. Carrément. Du coup, ouais, c'est bizarre. Attends, tu m'as fait venir dans le champ juste pour 2 tonnes. Enfin, 2 tonnes, quand même. Ouais. Ça me ferait chier de laisser 2 tonnes dans le champ quand même. Oui. On leur rendra l'ensileuse plus tard parce qu'on en a encore besoin. À qui tu veux la rendre? À l'ETA. Ah oui. Hein? À l'ETA. J'ai pas les moyens de m'acheter une ensileuse comme ça, mon Greg. Ah, bah, je croyais, moi. Oui. Hop. Écoutez, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hop, dans l'eau. Allô? Là où il y avait les voleurs tout à l'heure. Bien se laver en fin de journée. Faut bien se laver en fin de journée. Donc voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de Greg, de Diagon. Mettre un pouce bleu, voir mes réseaux sociaux. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde! Salut! Au revoir!